Yo, j'espère que vous avez la forme. Là, on se retrouve encore une nouvelle fois à l'Odyssée de la Forme à Pordic pour un nouveau tutoriel vidéo et cette fois-ci, on va s'attaquer au développé militaire. Concernant la prise de développé militaire, donc vous pouvez prendre resserré, là je sais pas si tu vois mes mains, vous pouvez prendre resserré ou prendre une prise un petit peu plus large. Donc plus tu vas prendre large, plus ça va insister sur la portion latérale du deltoïde. Alors quand vous prenez la barre les gars, resserrez bien, faites pas comme ceci, d'accord. Je ferai un tutoriel vidéo sur les différents types de prises. Donc resserrez bien, verrouillez la prise. Et quand vous poussez, comme dans le tutoriel du développé couché, je vous ai dit de pousser un petit peu avec les paumes, activer les paumes sans trop casser le poignet et vous casser légèrement, d'accord? Ça va activer du coup encore plus les deltoïdes. Aussi, donc le muscle travaillé sur le développé militaire, c'est épaules, triceps, trapèze et un petit peu la portion, on va dire, claviculaire, le haut des pectoraux. Ça marche. Quand vous pressez, là tu me vois bien? Quand tu presses, donc t'as la barre comme ça, tu tiens droit et tu vas, quand tu vas pousser, hop, tu vois, tu vas t'incliner légèrement vers l'arrière pour pouvoir faire passer la barre, d'accord. Une fois que tu passes la barre, hop, tu reviens droit, donc théoriquement la barre est juste au-dessus de ta tête quand tu as fini le mouvement. La barre est au-dessus de ta tête et quand tu redescends, tu fais le chemin inverse. Tu t'inclines légèrement vers l'arrière, pas trop comme ça, légèrement, et tu reviens position neutre, d'accord. N'hésitez pas aussi à mettre une ceinture, le port de la ceinture, c'est toujours un gage de sécurité, si vous voulez. Quant à la position des pieds, vous pouvez mettre les pieds sur une même ligne. Donc là, je pense pas que sur la vidéo, t'aies vu ça, parce que voilà, je peux pas filmer la barre et mes pieds en même temps, mais tu peux mettre les pieds sur une même ligne, ou alors mettre un pied devant et derrière pour avoir un petit peu plus de stabilité. Si tu galères vraiment, ce que tu peux faire, par exemple, tu bloques ici, et bien tu vas faire ce qui s'appelle une push press. Tu vas, hop, t'aider un petit peu des jambes. C'est toujours un plus. Voilà, c'était le tutoriel du développé militaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Restez connectés pour davantage de vidéos, nouveaux tutoriels et bref, d'autres délires sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis peace les gars.